Bienvenue sur cette vidéo courte de quelques minutes pour vous présenter l'outil de capture AgiliTest sur une application web. Je vais donc créer un canal de navigateur Chrome et aller à une URL arbitraire. J'exécute ces deux premières actions avec le bouton à droite. Je vais maintenant démarrer l'outil de capture en actionnant le bouton Capturer en forme de loupe. Ce mode de fonctionnement avec l'outil de capture AgiliTest permet de naviguer sur votre application web, de survoler chacun des éléments qui composent cette application et de les capturer dans le but de les actionner avec un clic de souris, une saisie clavier ou toute autre action. Pour commencer, je vais valider le bandeau de cookies. Pour ça, je survole le bouton que je souhaite actionner dans le test et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Là, j'ai accès à la fenêtre des éléments parents de l'élément capturé et je peux cocher les attributs qui m'intéressent pour reconnaître le bouton voulu. En l'occurrence, l'attribut qui va m'intéresser, c'est la classe du bouton qui va permettre d'identifier ce bouton de manière unique. Pour vérifier que la détection est unique sur la page, j'utilise l'outil statistique qui me confirme que l'élément est trouvé à partir de la règle de détection que j'ai proposée et que cet élément est unique puisque la coche est ici verte. Pour utiliser cet objet qui a été capturé, il me suffit de le glisser-déposer et de le mettre à la suite des actions du test AgiliTest. Je peux maintenant exécuter cette action de clic pour retirer le bandeau de cookies. Maintenant, je vais ouvrir à nouveau l'outil de capture pour actionner un élément du menu. Donc, je survole l'élément que je souhaite activer avec le test. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Et ici, j'ai accès aux attributs derrière la balise de lien du menu. Ici, l'attribut qui va m'intéresser, c'est par exemple la classe de cet élément de menu. En utilisant l'outil statistique, on voit que cette détection n'est pas unique. Je peux donc utiliser une règle complémentaire qui consiste à indiquer à AgiliTest quel est l'index de l'élément que l'on veut utiliser sur la page parmi ses 5 concurrences. Donc bien que l'élément ne soit pas unique sur la page, je vais glisser et déposer cette détection et je vais venir enrichir cette règle en spécifiant à AgiliTest que c'est l'index numéro 2, c'est-à-dire le deuxième lien qui correspond à cette règle de détection avec cette classe ci présente. Je peux donc maintenant exécuter cette action. On voit bien que c'est le menu Nos activités qui a été ouvert, puisque c'est le deuxième élément du menu tel que je l'ai spécifié. J'ouvre à nouveau l'outil capture et je vais cliquer toujours sur un élément de menu avec le même système. Ici, je vais varier la règle de détection. Je ne vais pas me baser sur une classe unique, un identifiant unique, ou bien une classe qui détecte plusieurs éléments. Je vais tout simplement sélectionner l'attribut texte qui me permet de sélectionner un élément, de l'identifier par son contenu textuel. L'outil statistique me confirme ici qu'il n'y a qu'un seul élément de lien A avec un texte qui s'appelle santé. Je construis donc mon test pas à pas et je peux l'exécuter de la même manière pas à pas. Pour finir, je vais cliquer sur un article de cette page dans mon test. Donc c'est toujours une détection d'éléments qui se fait ici. Là, je vais utiliser à nouveau l'attribut texte du lien. Je vais vérifier sa détection et je vais cliquer dessus dans le test. Pour terminer, je vais vous montrer comment on utilise l'outil de capture, non plus pour montrer la cible d'une action de type clic, mais pour acquérir une donnée qui est présente sur la page. À titre indicatif, je vais acquérir la date de publication de cet article. Je presse la touche CTRL du clavier et je vais détecter cet élément par sa classe, en l'occurrence Small Date. L'outil de statistique me vérifie que sur cette page de blog, il n'y a qu'un seul élément qui contient ces attributs-là, et donc je vais utiliser cette règle de détection pour acquérir la donnée qui est dans cette balise span.
Donc je glisse-dépose cette détection dans mon test AgiliTest, mais je ne vais pas faire un clic de souris. Je vais utiliser l'action propriété qui me permet de capturer un élément de la page et de le mettre dans une variable. Une variable a été créée ici, on la voit en jaune, elle s'appelle PropertyVar et elle va être remplie avec la donnée que j'ai capturée. Donc pour le vérifier, je vais exécuter cette action et on va voir la variable se remplir. Ici, la variable capturée, c'est 8 juillet 2019. Il serait possible d'aller plus loin en créant une variable dérivée de cette première variable et qui permette d'isoler les différents champs qui composent ce texte. Par exemple, on pourrait capturer tout simplement le jour 08 ou le mois juillet ou encore l'année et effectuer des comparaisons avec ces données toutes simples. Pour vous montrer comment procéder, je clique sur Créer une variable. Je dis que cette variable porte le nom newVar et que sa valeur est la valeur d'une variable existante. J'applique une expression régulière qui indique qu'il y a trois champs de texte séparés par des espaces. Les parenthèses ici sont des parenthèses capturantes et me permettent de spécifier quel est l'élément que je veux capturer. Je vous indique qu'il faut regarder ici et lorsque je vais incrémenter le groupe, vous allez voir que ça change. Vous voyez donc que cette newVar, au choix, peut capturer le jour, le mois ou l'année. On peut ensuite tout à fait faire une vérification de valeur. Je vais faire une comparaison entre la variable du script qui s'appelle newVar et une valeur de référence à comparer. J'exécute en mode pas à pas cette comparaison et je me rends compte que le jour qui a été acquis depuis la page est tout à fait équivalent à la chaîne de caractères 0,8 pour comparaison. Voilà pour cette présentation de l'outil de capture. On peut aller encore plus loin avec AgiliTest. Je ne vous ai présenté que les détections d'éléments à partir des attributs, mais on peut aussi faire des détections graphiques qui permettent de reconnaître des éléments, de les comptabiliser avec tout simplement une sorte de photographie d'une zone de la page. Ceci fera l'objet d'une vidéo prochaine. À bientôt!